Malgré un accord entre les syndicats et la direction de la SNCF, le réveillon de Noël est perturbé. Suite à de nouvelles propositions de la direction, les préavis de grève ont été levés pour le week-end du 1er janvier. Mais pour Noël, c'est trop tard, car les trains se préparent plusieurs jours en avance. Le mouvement social a impacté de nombreux Français. Moi, je suis partagé, comme dit. Je comprends la lutte, entre guillemets, et en même temps, je comprends aussi les utilisateurs qui sont à bout de nerfs, quoi, parce que t'as envie de rejoindre ta famille, tu peux pas. Le Royaume-Uni aussi passe un réveillon difficile à cause des grèves. Pour la journée du 24 décembre, les responsables du transport ferroviaire ont exhorté les usagers à ne voyager que si c'est absolument nécessaire. Au Royaume-Uni, le mouvement de grève qui touche de nombreux secteurs s'est amplifié à l'approche des fêtes. Les grévistes réclament des hausses de salaire alors que l'inflation a atteint quasiment 11% sur un an.